Yop et yop à toutes et à tous, ici Tyren. Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. Mop pour les intimes. Et on se retrouve pour l'épisode... 9 J'avais déjà oublié. 9 d'Obscur. Et nous étions dans le couloir. Oui, je m'en souviens, une situation plus ou moins critique. Oui. Et on devait voir à cet épisode si on passait la porte ou pas. On va la passer, la porte. Je le sais. Mais... On va la passer, mais est-ce qu'on va survivre? Oui, la porte, on la passe, c'est sûr, mais... fais voir. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas qu'un numéro. Donc moi, j'ai 10 balles et Tyren en a 5. Et je sens ma manette vibrer comme un truc de pas possible. Je vais regarder vite fait mes vies. Je suis mort. C'est reparti. Moi, je vais très bien. Attends. Il y a un truc ici. C'est un plan. Un plan de quoi? Voilà. Oui, mais... Oui. Ah bah, bonne nouvelle, les salles sont quasiment toutes fermées. C'est bon? Bon, attends. On vise, on met la lumière et on tire. Prêt? 3, Attends, j'ai pas un meilleur gun? T'as pas un meilleur gun à me filer? Non. J'ai ça. Non, mais non, il est aussi bien, je crois. Bon, laisse tomber. Ça, c'est le mien. Enfin, c'est le mien à l'origine, mais... 3, 2, 1, c'est parti. N'oublie pas la lumière. Je n'oublie pas la lumière. Je vais crever. Mais non. Je sais que je vais crever. C'est bon. Vas-y, recharge. Je rechargerai après. Ah bah non, je vais pas pouvoir. Je me sens mieux. Là, il y a un disque. C'est juste que j'ai l'air de boiter comme pas possible. Je crois que je me suis encore fait toucher. Non. J'ai pas senti ma manette vibrer, mais c'est possible. Des coupures de journaux parlant de disparition. T'entends. Je vais voir si je me suis fait toucher ou pas. Non. Non, ça a pas changé. Non, je crois pas. Je suis toujours aussi ensanglanté. On a bien géré, là. J'ai même pas réfléchi, hein. J'ai tiré, je savais pas si je touchais quelque chose ou pas, mais j'ai tiré. Du coup, c'est moi qui reste 15 balles maintenant. 5 balles, je veux dire. Ouais, bon. Toi, t'en as 15. Tu peux avoir combien de balles maximum, toi? 10? T'as l'automatique? Ouais, 10, ouais. Alors, je vais décharger mon gun. Vas-y, recharge-le. Et voilà. Ok, donc 10 chacun. Il est malin, le Tyren, hein? Ok, pète pas. Bon. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien ici. Ah, ici. Attends, on peut aller. Non, on peut pas y aller, ici. C'est vrai. Les commentaires me remanquent, hein. Mais... Il n'y a plus rien à crocheter ici. Non, il n'y a plus rien à récupérer ici. Il n'y a que la fille que j'aimais pas. Elle est morte? Quelle fille? Celle qui faisait un coup spécial. Ah ouais, elle est morte. Il n'y a plus que les deux là. Ah oui. Ouais, on va dans cette salle. Attention. Moi je vise direct. Hein. Lumière et... Va à la fenêtre. Non, il n'y a plus la lumière du jour. Ah, une trousse de soins. Prends-la. T'es sûr? Bah oui, t'es mort quasiment. Mais non, bah... C'est trop tard. Je pète la forme. Je pète la forme, t'as entendu ça? Explorons ces lieux. C'est sinistre. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est sinistre. Un conduit de cheminée. Ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec la cheminée. Il n'y avait pas un truc à ramasser? Bah là, je vois plus rien. Il n'y a rien qui brille. Attends, on va voir le conduit de cheminée. Conduit de cheminée, je peux rien faire. Non, on peut rien faire du tout. Je sais pas, on n'a pas des bûches ou n'importe quoi. Non, on a rien. Fil de fer, grosse pince, tournevis, cassette. Non, on a rien, les gars. On sort de la salle? Ouais. On fait une autre salle. Donc on retient, il y a une cheminée. Que si on allume, ça fait un bouclier. Parce que ça fait de la lumière. Ah non, c'est vrai, on craint la lumière nous aussi maintenant. Oui. Mais on la craint pas vraiment. Ouais. C'est plus la lumière du jour qu'on craint. Ça n'a aucun sens. Si, c'est une ultra sensibilité aux ultraviolets. Mais la lumière aussi en général, c'est bizarre. Bon, on essaye ces portes là. C'est pas déjà... On a pas déjà essayé, t'es sûr? On va regarder le plan. Oui. Ouais, on a déjà fait ça. Et est-ce que celle qui est derrière nous? J'avais raison.
Oui, c'est ça. Donc celle-là à gauche, là. Celle-là, là. Oui. C'est condamné. Bah c'est parfait. Bah qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? Bah on rentre pas ici, on sort. Il y avait un cadenas devant la grosse porte de ce bâtiment, mais c'est tout. Ok, bon bah on sort. On a jamais su s'il y avait quelque chose ou pas. Au final, on a perdu pas mal de vie et tout ça. On a juste récupéré des munitions, c'est bien. Des munitions et une trousse de soins. Maintenant, on est full life tous les deux. Oui, mais on a perdu deux trousses ou trois dedans, donc... Ah bon? On a perdu des trousses dedans, ouais. Il y avait un gros monstre au départ, tu te souviens? Ah ouais, peut-être, ouais. Et donc ici, on y est jamais allé? Non, on n'est jamais venu ici. Il faut qu'on trouve justement les sous-sols du jardin. T'en fais voir, on va regarder le plan. Ah, il y a eu un mort dans l'amphithéâtre. Bah, je vois pas où faut aller. Ah si, peut-être... Qui est mort dans l'amphithéâtre? Bah, c'est une bonne question. Ashley? Ouais, ça doit être ça, je sais plus. C'était sous l'amphithéâtre, dans les sous-sols? Ah oui, peut-être, oui. La porte est fermée à clé. Là, il y a une porte. Ça, c'est le gymnase, ça. Tu sais, on est venu là au tout début du jeu. Il y a peut-être un truc à faire dedans, on va voir. Ouais, il y a peut-être des monstres maintenant, génial. À vrai dire, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Mais il y a plein de lumière. Ouais, bah c'est les lumières du gymnase. Où est le ballon de basket? Disparu. Les monstres l'ont pris. Il y a peut-être des trucs à récupérer, genre là, il y a un truc là, non? Non. Là. Non. Je sais plus s'il y a un truc à faire ici. Je m'en souviens plus. Mais apparemment, je vois rien du tout. Moi non plus. Allez, on descend. Par là, peut-être. La porte doit être fermée. Et du coup, j'ai pas retrouvé mon sac? Ah bah non, du coup, non. Mais t'as retrouvé tes vêtements. Je les avais perdus? Bah oui. Comment ça? Ah bah non. C'est les vêtements. Bah c'est ces vêtements, en fait, qu'il avait pris. Que j'avais depuis le départ. Ouais, le sac que tu cherchais, c'était tes vêtements. Oui, non, mais c'est pas celui-là. C'est pas les vêtements que je porte. Non, c'est pas les vêtements que tu portes là. Ouais. C'est toujours tes vêtements de sport. Bon, y a pas de monstre, c'est bien, mais y a rien à récupérer non plus, quoi. Pas le temps de se coiffer. Oh, ce commentaire. Et dans la douche, peut-être? Non, y a rien. Je prendrai une douche un peu plus tard. Bon, viens, on sort. Y'a rien ici. Ok. On va par où? Bah, faut qu'on trouve la clé. On a pas déjà la clé? Bah, la clé... Y'a Kanda a cassé, je m'en souviens. L'infirmière avait dit ça, non? Oui. Avant de KMC. Mais là, c'est bon. Mais en fait, il faut trouver la clé pour aller dans les jardins. Que la porte est fermée. Ouais. Tu sais, faut passer par là où il est passé au début du jeu. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, il faut aller là, en fait. Mais la porte est fermée. C'est là les jardins? Oui, c'est là. Bah, c'est là où on a été tout à l'heure, au tout début du jeu. Oui, bah, c'est ils vrai. Veulent qu'on y retourne. Et pour ça, il faut trouver la clé. Là, il y a une autre porte là-bas. Ok, c'est fermé aussi. On n'a pas trouvé un balai ou une pelle ou n'importe quoi, un truc de nettoyage? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre d'épousseter le conduit de cheminée et de récupérer un truc caché dedans. Non, on n'a rien trouvé. Mais en fait, on va retourner là, parce que je pense que c'est là. Hein. On a dû louper un truc ici. C'est fort possible! Fort probable, plutôt. En espérant que les monstres soient pas revenus. On refait toutes les salles? Bah, normalement, tout est clean, hein, donc on peut y aller. Normalement. Oui, normalement. Ouais, c'est bon, j'ai compris le principe du jeu, il n'y aura jamais rien qui réapparaît. Tout est scripté à fond. Ah. Bon bah si tu le dis. Bon bah là il y a pas grand chose ici. On a une bobine de film aussi. Ah oui, c'est vrai. On l'a toujours pas regardé cette bobine de film. En bas. Ici là il y a pas un passage. Non. Non, il y a rien. Donc cette salle est vide hein. Ok, suivante. Ah.
On va trouver. Là, il y a la cheminée, normalement. Oui. Si je me trompe pas. Je fais le tour de la salle en fouillant tout, hein. Attends. Prends une batte, genre, et essaye de taper dessus. Non, ça casse pas. Mets-toi déjà bien dans le bon plan. C'est pas moi que ça suit, hein, la caméra. Donc vas-y, voilà. Non, essaye. Non, ça marche pas. Je me disais, il y a peut-être un truc à casser, mais non. Je vois plus mon personnage. Où est-il ? Il est là. Voilà. Non, bah y'a rien ici, hein. Y'aura peut-être un truc à faire avec la cheminée après. Ah! Non, j'ai rien ramassé, c'est des romans à lire. Okay. Une lampe de 1953, Burke. Ah? C'est ce qu'il y avait écrit. Ah bon? J'ai même pas vu. J'ai peut-être fait une erreur parce que c'est pas paru longtemps et que j'ai toujours l'esprit un peu ailleurs, mais. Je pense réussir à ouvrir cette serrure. Ah! Cette serrure a l'air fragile. Allez, on l'accrochette, cette serrure. Il n'y a pas de monstre qui apparaît. Ils se sont peut-être dit qu'on n'avait plus de munitions. De l'énergie drink, super. C'est dommage parce que... Il n'y a pas d'autre casier? Non. Ça semble condamné. Allez, celle-là. On va y arriver, on va trouver. Il n'y a rien d'intéressant. Oh, on n'y a pas été, si, là. Si, 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 forcément. Ok, ça me... Ah, si, si, si. Ça me disait rien, sur le coup. Voyons voir. Bah y'a rien. Attends, viens ouais, vers nous, c'est ça. Non, y'a rien du tout ici, hein. Non. Bon, j'aimerais bien avoir une petite... Attends, les casiers là, non. Y'a rien d'intéressant. J'aimerais bien avoir des munitions, ce serait cool. Ah, attends, y'a deux portes. Ah non, y'en a... On en a autant. Ouais, mais même... Non, je t'enfile pas, c'est mort. Y'en a pas assez. J'en veux plus, moi. Ton avidité nous perdra. Mais moi aussi j'en veux bien plus. Oui, il y a plus que les toilettes, mais les toilettes, il n'y a rien. Ah là, il y a un étage ici. Sérieusement? On l'avait pas vu. Oh, une statuette. C'est une statuette. Youpi. Je suis désolé à ceux qui nous regardent, on galère un peu. Tout ça pour voir une solution évidente. T'aurais pu regarder s'il y avait un truc à droite ou à gauche. Bah, je pensais pas avoir collé la porte. Enfin, mon personnage était mal orienté, mais j'étais collé à un mur et... Il faut trouver un antidote. Je retourne... Je me sens pas bien. Si tu veux, ouais. Mais y a pas l'air d'avoir de monstres ici. On sait que vous adorez les temps de chargement, du coup, on en fait plein pour vous. C'est ça la vérité, en fait. On sait parfaitement où aller, c'est juste pour vous. Y'a rien. Non. Ouais, bon, allez, go. On sait jamais, hein. Y avait peut-être des munitions sur le côté. Peut-être qu'ils avaient caché une statuette. C'est lieu. Oh non! Ça n'a pas l'air solide. Ah, c'est juste ça. Cette serrure a l'air fragile. Je crochette, hein. Ouais, vas-y. C'est bon. Y'a pas un casier à ouvrir, ce serait cool. Ah merde. Tant pis. Oh, si t'insistes, hein. qu'est-ce qu'il y aura? Des monstres, j'imagine. Hein? Non. Pas de monstres ici. Non. Si. Non, y'en a un qui m'a eu. Tiens.
C'est bon. J'ai plus qu'une balle. Me suis fait toucher, moi. Moi aussi. Il m'a chiqué un coup. Et on aurait dû les tuer à la batte, normalement, pour faire bien les choses. Ouais, mais non, on aurait... Ah, il y a une trousse de soins ici. Si, si, on aurait dû les faire à la batte. Tout ce qui est sur pattes et qui n'est pas énorme, c'est la batte. Ah, on peut pas prévoir. C'est pas facile. Puis il y en avait un gros à côté, hein, que j'ai tué. Ah bon? Oui, oui. Bon, on y va? Explorons ces lieux. Je sais pas. Oh, c'est sinistre. Ouais, bon, on y va. Y a plus rien. Non, 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 va pas par là. Ça a pas l'air très solide. Là, il y a un truc. Un disque. Encore un disque. Et si on pouvait le lancer sur les ennemis, ce serait pas mal, je pense. Ah. Je sais pas ce que j'ai récupéré, là. Pas de munitions de gun. Oh. Fusil à pompe, j'ai récupéré. 28. Eh oui, t'as vu ça? On cherche tous les deux? Oui, vas-y. Ah, ça, c'est bien. On les garde, hein, on les garde. Bah oui, oui. T'as encore combien de munitions de pistolet? 5 4, 5. J'en ai qu'une. C'est condamné. Bon, faut qu'on aille par là, mais faut y aller tout doucement. En marchant, quoi. Ouais. C'est condamné. C'est condamné aussi. On peut courir ou pas? Non. Non, tu peux pas courir. Voilà, comme ça je suis sûr que tu tombes. Ouais, ouais, non, je voyais plus ce que je faisais, j'avais un petit moment de suspense. Là, y a un truc qui brille. Ouais, c'est de l'énergie drink. Encore, c'est bon. Ah, prends la batte. Ah, génial. Enfin, génial. Attention, 3, 2, 1. Go! Ah, c'est toi qui m'as foutu des coups, c'est bon. C'est bon. Nous résistons. Ici, on y va? Bah ouais, c'est parti. Ah, j'ai encore la batte, moi. Enfin, j'ai ma barre de fer, je veux dire. Y'a rien pour l'instant. Pour l'instant. Ça serait bien qu'on récupère un ruban adhésif pour qu'on mette la lampe hyper forte, là. Ah, munitions de revolver. Je recharge, tu recharges? Recharge, vas-y. Ah, super, comme ça on en a 11 et 12 et 10. Nickel. On va y arriver, on va y arriver. Eh oui, faites des maths avec Mopirae. Un conduit de cheminée. Et ben voilà. Un autre conduit. À croire que ce sera un passage secret plus tard. Bah, y'a rien ici. Hein. On a quand même récupéré des munitions. Sans qu'il y ait des monstres, c'est parfait. Là, y'a un truc. Oui. Oula. Oui, y'a un truc. Y'a un monstre. Ah, attends. Prends la batte. Prêt? Go! C'est bon. Encore de l'énergie drink. Ah bah c'est bon, on a 3 énergie drink et une trousse de soins. Alors regardons ça. Au niveau des vies, normalement on est bon. Ah. Je sais pas. On peut attendre, on peut attendre. Cette serrure a l'air fragile. Vas-y, crochette là. T'es sûr? Moi je te couvre. Je veux pas gaspiller notre fil de fer, hein. Il est infini le fil de fer. Elle est là, mince. Tout simplement. Ok, il y avait rien. Non, sérieux? Ah bah des fois il y a rien. Hein. Là, il y a un truc à pousser là, j'ai vu tout à l'heure. Ça ouvre un passage. Vache, il y a des gouttes d'eau qui sont tombées à côté de moi, j'ai cru que c'était un monstre. Messieurs. Vas-y, je t'en prie. Office de technologie du Congrès. Messieurs, suite à la conférence de Seattle où il a été beaucoup question de vos publications et notamment de votre ouvrage intitulé « La vie éternelle est possible », des experts se sont penchés sur vos recherches.
étant admis par tous que l'on ne peut ni contrôler l'utilisation de vos connaissances, ni mesurer la conséquence écologique, les sociale. Conséquences. Il y les conséquences, oui, les conséquences écologiques, sociales et ethniques de vos découvertes dans le domaine du vivant, nous avons dû statuer sur le maintien ou non des budgets de recherche. Quel garde-fou imposer contre la tentation eugéniste que vos hypothèses entrevoient ? Sacrifier l'enrichissement des croisements au profit d'une vie artificielle et très certainement contagieuse ne peut recevoir notre aval. J'ai rien compris à ce que je viens de lire. La contribution de vos travaux à la connaissance des caractères individuels est une chose, mais modifier la transmission de ces caractères par des moyens aussi inhumains en est une autre. En conséquence, l'Office de technologie du Congrès, en accord avec la Commission scientifique internationale, a émis un rapport qui statue sur votre radiation à vie de cette communauté. Nous serons amenés à légiférer sur l'archivage ou la destruction de vos recherches sur le prolongement cellulaire. En conclusion, plus aucune aide ne vous sera allouée, votre matériel sera confisqué et revendu, ainsi que tous vos travaux. Des agents assermentés par l'État viendront dès le 8 octobre mettre les scellés et vider les locaux. En ce qui concerne le lycée de Leafmore. Si, moi j'ai envie de dire Leafmore, hein. Non, c'est Leafmore. Ok, Leafmore. Une commission viendra juger de la nécessité ou non de, de le fermer. Bien cordialement. Ok. Et là, un coffret. Il est super lourd. C'est super génial! J'ai une idée. Si on allait à l'endroit où le plancher était fragile. On va peut-être pas y aller parce que là ça va péter, je pense. Bah oui. Je suis pas sûr que courir l'aurait pété, mais en tout cas. Bah je suis pas sûr non plus, mais vaut mieux prendre les précautions. Par contre, couvre-moi parce que là je peux plus attaquer moi. Si jamais il y a des monstres, on est dans la merde. Mais tout à l'heure, il y avait un conduit de cheminée. Et alors ? Bah peut-être que si on le met dedans, ça va faire plouf, et boum. Alors allons-y. Mais je sais pas où il est. Il est là. Ok. Juste sur notre gauche, après. Là, effectivement. Oh, je suis trop fort. Du coup, on peut aller de l'autre côté. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire à viser partout, c'est j'utilise la visée automatique pour savoir s'il y a quelqu'un ou un monstre qui apparaît derrière. Ayana. Pourquoi j'ai deux munitions? Non, je suis mort. Oh, je suis dégoûté. J'avais plus mes munitions. Tire. Ok. Oh non, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté, mais dégoûté. On retente. Ouais, bah on retente. On fera une ellipse. Ouais, ellipse. Et nous revoilà. On vient tout juste de lâcher quelque chose dedans. Non, je vais. Ah, pas encore fait. Non. Et là, attends. Laisse-moi m'équiper de mes armes cette fois. À tout hasard. Non, mais j'ai un mauvais pressentiment. Parce que je suis un Jedi dans une autre vie. Dans un autre let's play plutôt. Je dirais qu'il faut s'équiper d'un fusil à pompe. Pas toi ? Okay. Attends, on a pas fouillé la salle du coup. Mais si, on l'a faite celle-là. Pour information, comme on a du tout recommencé depuis une situation critique, on a réussi à trouver une grenade lumineuse supplémentaire et des balles de revolver. Ah oui, c'est vrai. Parce que en fait, nous sommes franchement mauvais. Elle est où là ? Ah non, c'est là-dedans qu'elle est. Ah, elle est là. Voilà, grenade lumineuse. Voilà. À utiliser en cas d'urgence. Donc on prend le fusil à pompe là ? On prend le fusil à pompe et attends un peu, je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire, à dire ? Non, t'es sûr ? Non, c'est bon, c'est reparti. Oh, ouais, je vais avoir horreur de ce monstre. Et j'ai pas de lampe, hein. Bah j'en ai une. Alors go. Go. Ça me stresse là. J'ai pas envie de perdre. Je suis essoufflé là.
Oh, j'en peux plus, là. Bon, vraiment, ça va. C'est moi qui me suis tout pris dans la gueule. Non, c'est pas vrai. J'ai voilà. bien encaissé aussi. Je prends quoi? Ah, on a aussi gagné l'énergie drink la dernière fois. Prends... trousse de soins. Je sais pas si ça vaut le coup. L'énergie drink, ça fera pas full life. Hein. Bon, allez. Je me suis jamais aussi bien senti. Ouais, bah profites-en. Hein. Du coup, faut redescendre. Ouais, faut redescendre pour aller voir ce que ça a fait. Au conduit cheminée en bas. C'est ça. Par contre, cette fois, on peut avoir de la compagnie. Bon, je passe, tu m'attends. Ça marche. Dans une autre vie, j'étais aussi PNJ. Je fais beaucoup de choses dans d'autres vies. Bon, j'espère qu'on n'aura pas beaucoup de monstres là parce que ça devient chaud quand même. Ouais, bah on a pas mal de munitions, hein. Ouais, on en a pas mal. Bah, on en a pas énorme. Et voyons s'il est toujours en un seul morceau. J'ai entendu des monstres, je crois. T'es sûr? Ouais. C'est pas ton ventre? T'as pris quoi, le pistolet? Ma gun, ouais. Ok. Tu veux que je prenne autre chose? Non, c'est bon, on y va au pistolet. Bon, y'a personne là. Ah si. Ça, c'était la balle en trop. Ouais, j'ai pas voulu gaspiller de balle. Moi, je savais pas s'il était mort ou pas, du coup, j'ai attendu. Ah non plus. Bon, de toute façon, il avançait pas bien vite. Hein. Il était pas très méchant. Où est la cheminée? Ici. Ok. PAM! Je m'en souviens. Je fais beaucoup de PAM, non? Non. PAM! On sait pas ce qui a monté par la cheminée. Hop là, j'avais raison! Oh non! Si, c'est encore lui. Je suis trop loin. Il m'a pas eu. Ah, il m'a eu. Faut mettre la lumière, ça les repousse les... En fait. Ah, t'as pas de lumière. Plus maintenant. Ah mais j'arrête pas de me viser moi, c'est dégueulasse. Top, c'est bon je crois. Oh, t'as fait un drôle de truc toi. Oui moi ouais, j'ai eu peur. Ouais. Ah non, il est pas bon. Ah mais il va me faire bouffer. Je veux pas me faire bouffer. Putain, je pensais qu'il était mort là. Il veut pas. Bon allez bouge toi. Enlève ta grosse main dégueulasse. J'ai plus de balles hein. On reste une, je vois rien moi. C'est bon, j'en ai récupéré. Encore? Oui, il y en avait sur la table. En fait, j'ai l'impression qu'il m'a touché tout à l'heure. Bon, allez. C'est pas possible, il veut pas mourir. Mais si, il va mourir. T'as vu le nombre de balles qu'on a tiré déjà? C'est bon! Il est mort. Et j'ai plus qu'une balle. Bon, on fait le calcul des balles. J'ai plus qu'une balle de fusil à pompe. Il m'en reste 5. Je propose que je te donne toutes les balles, comme toi tu as une lumière en plus. Bah merci, c'est gentil. Comme ça t'es mort. Non mais donne-moi les balles de gun toi. Mais y'a plus de balles de gun. Vérifie tous les guns. Mais y'a pas besoin de vérifier tous les guns, je te dis qu'il y a plus de balles de guns. Bon bah c'est pas grave, je vais y aller à la matraque. T'as intérêt à bien te battre.
Le coffre s'est ouvert en tombant. Une carte des sous-sols. La bibliothèque devrait s'ouvrir grâce à cette clé. Voilà. Nous sommes le 2 décembre 1960. Oh ! Je m'appelle Alan Gardner et ceci est mon journal. Cinématique ! 26. J'ai recensé 26 cas de personnes disparues ayant un lien avec le lycée. Étrange que la police n'ait rien découvert à ce sujet. Notre école a été fondée en 1902 par les jumeaux Herbert et Leonard Friedman. Ah, c'est le mec qui était mort, enfin qui avait laissé une lettre. Oui, ça voudrait dire qu'il devrait être centenaire aujourd'hui. Je me suis procuré leur acte de naissance. Croire la date, ils ont... Comment ont-ils réussi à rester vivants et si jeunes? J'ai trouvé cette photo d'une femme avec Herbert, ou Leonard. Elle ressemble beaucoup à Mademoiselle Wixon. Selon cet acte de mariage, Mademoiselle Wixon et Leonard se sont mariés en 1885. On a perdu la trace de Léonard en 1921. Il se serait crashé en avion, on n'a jamais retrouvé son corps, ni même l'avion. J'ai trouvé des articles qui parlent des frères Friedman et de leurs expériences dont l'originalité, je cite, dépasse la morale humaine. En 1890, ils sont partis en expédition en Afrique à la recherche de plantes médicinales. Leur séjour dura 6 mois, au bout desquels ils ramenèrent beaucoup d'espèces inconnues, dont un spécimen étrange, la Mortifilia, qui devint la base de leurs recherches. J'ai découvert dans son bureau des photos horribles d'hommes défigurés. Il faut absolument que je trouve son laboratoire. Sous le lycée. Dans les sous-sols, j'ai réussi à le suivre sans qu'il me voie dans les jardins jusqu'à la cave de leur maison. J'ai pu fouiller le labo et d'après les notes de Friedman, le sérum d'anti-vieillissement n'est pas encore au point. Les photos de créatures à moitié humaines sont en fait des échecs. Une longue exposition au soleil provoque la mutation. Il y a aussi une grande porte dans une salle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai compris comment l'ouvrir. Il y a un mécanisme avec des statuettes. J'en ai vu 3 autour de la bibliothèque et une dans les jardins. Demain, j'essaierai de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Select. On appuie sur Select. Et donc, nous devons aller à la bibliothèque. Donc là, cette fois, elle va être ouverte. Ok. Et bah, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là pour le 8e épisode. Ouais. Après avoir tué un gros boss, qu'on avait déjà tué d'ailleurs, hein, mais... Faudrait m'expliquer comment il est rentré. Hein. Non, fallait pas sortir. Pourquoi ? On sait jamais s'il y a des monstres qui nous réattaquent. Ce serait gonflé de leur part. C'est vrai. On reste devant la porte ? Ouais. Donc on reste là ? Bah, bien. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de... 9. Obscur, 8. Numéro 9. 9, ouais, 9 et ça. On a vraiment du mal, hein. Je vous conseille de vous abonner. Et moi, je vous ordonne de vous abonner. Je vous conseille de liker, de laisser des commentaires et de partager ces vidéos. Surtout de la partager. Et de commenter. Et de liker. En fait, vous êtes obligé de tout faire. Ouais. Eh bien, c'était Tyrann et... Mopmopi. Ciao. Bye.